arrive. C'est vrai qu'elle côtoie les étoiles, Louise, puisqu'elle voit... Cet été, je suis partie à la rencontre des plus grands chefs français, étoilés pour la plupart. Et je me suis dit, on va un petit peu changer pour Télématin. On va les faire cuisiner une recette simple, en souvenir de leur enfance, dans un endroit différent de leur cuisine. Alors, tous ont répondu OK. Ils étaient hyper réduits en disant que c'est un... C'est un héros, c'est-à-dire qu'il se lance des défis. Il est arrivé dans son établissement. Héros discret, hein, modeste. J'ai été 3 étoiles plusieurs fois. Il est arrivé au Georges V, là où il est chef, et il s'est dit, OK, je me donne une année, et dans un an, j'ai mes 3 étoiles. Bingo, il les a eues. Mais nous, qu'est-ce qu'on voulait? C'était pas de le voir dans sa cuisine, c'était de le voir sur les toits de Paris, nous cuisiner un souvenir d'enfance. L'enfance, pour lui, c'est la Bretagne. Regardez.